Rentrer à la maison. Une montagne avec des ours est une montagne avec une âme. Je suis perdu. J'ai marché très longtemps, mais je ne trouvais plus ma mère. J'avais froid, j'étais trempé, j'avais si faim, je n'avais plus de force pour continuer à marcher. J'étais assis dans un objet qui peut voler dans le ciel. Il volait plus vite que les oiseaux de la forêt. J'avais tellement peur. Où me portera-t-il? Je suis arrivé à un endroit qui ressemblait à notre ancienne maison. Mais ici, je ne voyais pas ma mère. Ici, ils ont dit que c'était ma nouvelle maison. J'ai construit mon propre nid. Avec les souvenirs de ma maman, j'ai construit un lit sur lequel je pouvais m'allonger. Dans cet endroit, j'ai trouvé plein de nourriture, comme dans la forêt. J'ai appris à attraper des insectes et à creuser la terre. J'aimais jouer dans l'eau. J'aimais particulièrement attraper des petits poissons dans mes grandes paumes. Je chassais aussi les abeilles agaçantes et léchais le délicieux miel s'égouttant des ruches. Puis, j'ai rencontré un nouvel ami, une poule blessée. Tous les jours, elle me suivait en courant et elle dansait aussi avec moi. J'étais si heureux, je n'étais plus seulement un petit ours solitaire. Alors, une nuit de pleine lune, un brouillard partout, la déesse de la montagne m'a appelé. Petit ours, il est temps de rentrer à la maison. Tu devrais retourner dans les montagnes, l'endroit auquel tu appartiens. J'aimerais rentrer à la maison. Je veux rentrer chez moi à la montagne. Ils ont organisé une grande cérémonie pour me dire au revoir. Ils ont attaché un ruban jaune d'adieu à mon oreille. Le ruban me rappelle que j'étais élevé avec l'amour d'une mère humaine. Et le ruban me rappellera toujours, alors que je cours entre les collines avec ça flottant à mon oreille, de regarder l'autre côté de la montagne. Merci, ma mère humaine.